Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue sur encore un épisode des Tortues Ninja avec les tortues au complet pour la délicieuse pizza. Ah, bonsoir, Fanfan. Salut à tous, ici Fantamen, tes amis plus connus sur le nom de Fantaï. Nous sommes en présence de Fred et Seb du Bazar du Grenier qui sont avec nous. Merci les mecs, salut à vous. Salut, je veux une pizza. Je veux mon rôle à fond. Pizza, non, je suis tombé sur la tête, débile. C'est plus plaintif, Michelangelo. C'est, oh oui, si jamais on n'arrivera jamais à manger toutes ces pizzas, attends. Je vais m'entraîner. Ouais. Voilà. Et combien on t'a payé pour que tu renies donc en ton avis sur Tortue Ninja Seb. Seb, ouais. Seb. Hein, mon cher Codex. Eh ben on va payer un jeu. Non. Non, tout va bien. Mais je l'avais acheté, mais il est formidable ce jeu, il est génial, c'est Platinum Games, c'est un studio renommé. Non, attends, on est d'accord. On est d'accord que c'est de la merde, mais non, c'est il est pété, il est vraiment c'est de la merde. Franchement, je préfère Dévastation, c'est mille fois mieux. Mais à vous qu'avec la musique des Tortues Ninja en fond, en boucle, au fond, quand tu te bats contre Bebop et Rocksteady, c'est stylé. Je suis d'accord, mais c'est comme Fallout 4, tu sais, il y a des petits diamants de pureté au milieu d'un océan de merde, on est d'accord. Ça me rappelle les beat'em up de l'époque, quand les Street of Rage, les Double Dragon, les machins. Moi, personnellement, c'est le genre de truc où j'aurais mis plein de pièces quand j'étais gosse dans une borne d'arcade. Ah oui, j'aurais eu ça gamin, évidemment que j'aurais dépensé. Je précise, moi j'aurais trouvé que les tortues avaient des têtes bizarres. Je précise quand même, ils ont des têtes un peu cheloues, hein, les yeux oranges, ils sont défoncés à la LSD. Le mauve là, lui il fait peur. Hein. Ouais, voilà. Il me fait peur, ouais, beau gosse, mais en même temps, attention. Un peu pétantile. Ah, c'est ça. Mais par contre, un truc aussi, Karai. Karai, alors je connais pas du tout parce que moi je connais que l'ancien dessin animé. Et apparemment, tu nous disais c'est un perso des nouveaux dessins animés, c'est ça? Ouais, même dans la version 2007, elle y est aussi, je crois. Mais dans la version 2012 de Nickelodeon, Il y a pas une version 2003 aussi? Est-ce qu'on pourrait jouer? C'est 2003, oui, je dis 2007. Oui, c'est 2003. On joue dans quelques instants, voilà. Mais comme tu disais, Fred, elle est là pour remplacer le lapin ninja Usagi. Et je crois c'est que ça. T'es sûr que c'était un lapin ninja? C'était pas un maître samouraï? Il me semble. Hein. Non, mais c'est un lapin. En tout cas, je sais pas si c'est un samouraï. C'est un lapin. Mais c'était un samouraï. Il me semble que c'était un samouraï. Genre, il avait deux sabres et tout. Genre, il parlait tout le temps de l'honneur. C'est pour ça qu'il attaquait Splinter, mais bon. Moi, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un DLC Vénus de Milo? Parce que tu vois, c'est Moi, je me demandais, c'est comme le Power Rangers, est-ce qu'il y a une tortue blanche? Tu sais, comme le Power Rangers blanc qui débarque, c'est le vieux. La vieille tortue albinos qui débarque. Je veux la tortue bleu ciel, moi, je veux la tortue avec des nichons. Allez, vas-y, démarrez, tout le monde start. Attends, okay. Le ciel avec des nichons. Prêt à cogner de la carapace? Allez, vas-y, pourquoi ça démarre pas? Ah, ok. Essayez du calme. C'est parti. Attention, les cinématiques, vous avez le droit de parler mal par-dessus, hein, on ne respecte plus le jeu. La pizza! Le mec qui germe. Il mangeait des pizzas dégueulasses, je me rappelle. Mais surtout les voix comme ça, et puis ça commence toujours comme ça. C'est toujours Leonardo qui commence du genre Shredder et ses sbires devraient se trouver par ici. Oui, selon mon détecteur, ça indique qu'ils sont à quelques lieux d'ici. S'ils ne sont pas déjà partis. Oh oui, on devrait rentrer et manger des pizzas. C'est tout. Exactement, tu as résumé 3 saisons. Vraiment, à peu près. L'intrigue de 3 saisons. Alors, il y a des bombes. Les détecteurs indiquent que cet immeuble est... Mais attends, est-ce que Raphaël, c'est un thug, là, ici? Non, il est... Enfin, il est... C'est le badass du coin, hein. Très sincèrement, il est impulsif. Il est impulsif, mais il reste gentil, Pardon, parce qu'on parle sur les cinématiques. Le Raphaël thug un peu méchant, c'est vraiment un truc que les films a implanté. Dans le dessin animé, c'est un Leonardo 2, en fait. Oui, entre guillemets. Un Leonardo un peu plus circonspect, quand même. La plupart du temps, il est là, oui, quand même, ça me sent un peu foireux tout ceci. Tu vois. C'est pas... Mais il est bien géré dans ce sens. Surtout un circonspect foireux, voilà. Bon, ça c'est fait. C'est pas le bad boy qu'ils ont installé qui est comme ça dans toutes les séries animées. Non, complètement. Oui, mais non, Raphaël, c'est le thug. Ouais. Par contre, c'est April O'Neil avec une ponytail et moi je préfère celle aux cheveux détachés années 80 Bonnie Tyler, tu vois. Mais moi je rêve d'avoir un film Tortue Ninja où il y aura April O'Neil avec son truc jaune intégral. Mais moi je rêve de coucher avec April O'Neil avec sa jumpsuit intégrale. On a tous des rêves, Fred. Alors désamorçons les bombes et allons-y. Alors il faut savoir que si on il faut éviter de tomber mais on peut utiliser les parachutes entre les bâtiments. Désamorce. Et boum. Alors comment désamorcer? Mais désamorcer. Oh putain, les grenades! Oh là là là! C'est bon, je gère! Allez, on est cuit comme une pizza! Oh, c'est relou comme dans l'animé! Ouais, c'est ça! Je veux être relou! Vas-y, une bombe, go!
D'abord. Qu'est-ce que vous voulez me faire pendant que l'autre il va me taper là, parce que je peux rien faire là. Moi je désamorce. Ah, je suis mort. Fred. C'est bon, attends, j'arrive. J'étais en train de désamorcer comme un micro-ondes dans lequel on cuit une pizza. On est mort tellement vite, c'est pas grave, allez, on mange. Vous savez ce que c'est mon resto préféré? Pizza des Les sushis, c'est truc qui va. Allez, c'est parti. Pas désamorcer à cause de l'enfoiré. C'est parti. Non. J'ai une confession à faire, je suis allergique au lactose depuis toujours. Tais-toi, aide-moi à désamorcer. Cette obsession pour les pizzas. Oh là là, mais c'est des. Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui ont des bombes sur eux? Code blague. Ah non, presque. On fait la course des yeux, carapace? Non, merci Bob. Allez, reprends-toi. En fait, c'est le week-end pour aller défoncer le jeu, en fait. Allez, je mange des pizzas. Bon, j'arrive. Allez, il en reste une. Coupe des mecs, et Attendez, il en reste une. C'est bon. Elle est là-bas. Non. Putain, mais. Allez. C'est horrible, quoi. Merci. C'est dès que j'arrive. Mais vous mettez pas la garde aussi. Si, mais c'est quand j'arrive au sol en fait. Il y avait des grenades qui étaient déjà posées. Oh là là, c'est. Voilà, c'est bon. T'as mis du temps à venir m'aider. Ouais, c'est ce que j'avais prévu. Allez. Oui, là. Voilà. Dernière fois, elle est là. Elle est là, désamorcement. Terrorisme. T'es pas la main. À cligner des yeux. Attends. Voilà. Vas-y, désamorce. Peut-être à 2 ou 3, ça peut aller plus vite, non? Oui, mais oui, ça va plus vite, justement. Merde. Je m'occupe du. Ah, oh, mais merde! J'arrête pas d'exploser et sur les. Attention, c'est bon! On est trop fort. Voilà, c'était parfaitement maîtrisé. Qu'ils sont morts 4 fois, t'as fait ça. Mais l'important, c'est qu'on meurt pas tous en même temps, c'est ça le truc. Alors, ce qui est cool dans ce niveau, c'est qu'on peut voguer de bâtiment en bâtiment. C'est-à-dire, regarde, on va dans le bâtiment en face là. Hop! Et vous pouvez tomber bas, hein. Vous pouvez remonter en fait avec les bords des murs. C'est-à-dire vous pouvez vous accrocher, regarde, tu vois, au bord du bâtiment, donc même si tu tombes très bas, tu vois, tu remontes. Ouais, j'ai fait une espèce de bond. Boing. Oui, c'est à cause des... Ils nous voient pas, quoi, même si on est dans les herbes, on peut faire des attaques. C'est ça. Attaque surprise. Attends, il faut écouter Leonardo, c'est lui le chef. Ah là. Alors, il y a des criquards dans le ciel, là, il y a des... Patron, qu'est-ce qu'on fait? J'ai trouvé les armes. Est-ce qu'on va manger une pizza? Arrête de vouloir manger des spins, des pizzas. Le maître nous dit que... Des spins. C'est ça, mais souvenez-vous de l'enseignement du maître. Oui, voilà, Leonardo, c'est ça, normalement. C'est toujours ça. Mais c'est quoi cette merde? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on gère? J'avoue, j'étais attaché, les mecs. Okay. Ah oui, c'est bon, elle nous suit. Elle nous faut suit, déplacer. Ça, ah oui, d'accord, il y a un espèce de faisceau. Ok. Faut l'amener là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une boule qui fait des trucs. C'est une boule qui dégage une énergie laser. Ne la mange pas. Tais-toi et tire là. Faut la taper ou quoi? Non, il faut l'amener à l'objectif. D'accord. Qui est là-bas. J'arrêtais pas de la taper. Transporter des bombes de crank jusqu'au portail, donc faites gaffe. Ah, c'est une bombe de crank. Ouais, voilà, faites gaffe. La dimension. Je détecte. Ouais, c'est ça. Vu sa forme étrange. Je détecte que c'est le vibromasseur de Krang. Ramenez-moi ma boule de Geisha. C'est Schneider. Ton incompétence ne cessera jamais de me surprendre. Tu as perdu mon favori, mon vibromasseur favori. Il va falloir que je retourne dans la dimension X. C'est relou, elle est bloquée, putain. On va apprendre que Krang, c'est une femme, en fait. Mais toutes les femmes sont Krang, en fait. Le gars, il veut se faire des copains. Ah, c'est ça. Enfin, oui. Allez, viens. Viens, ma grosse. Allez, ramenez-la. Alors, il nous reste quand même 10 minutes pour ramener la seconde, hein. On y croit. Hein. Où est-ce qu'elle est, la seconde? Attends. Tu la vois, elle est marquée. Avec oh là là, ou alors le secret, c'est ça que dans le. Ouais. Dans la tête de toutes les femmes se cache un grang. Ouais. Réaliste. Mourir. Ah non, il est pas mort, lui. Bah là, c'est. On y est. Oh là là, on met des espèces de gros coups à côté de la bande. Il fallait une petite blague machiste. Ah, je tombe! Non, c'est bon. Je l'ai. Des pizzas tranquilles. C'est bon, voilà. Propre. On est trop fort. Ouais. Excusez-moi, chers amis, vous remarquez que je coupe et que je mets la musique situationnellement quand je me concentre. Mais là, c'est la victoire, donc il y a la musique. Alors, attends, là, il se passe rien du coup, au calme. Alors, utilisez le détecteur. Une petite danse! Oh, la petite danse! Attends, je me mets devant toi, devant les caméras. Mais arrête de danser, ah oui, c'est vrai que t'es bloqué quand tu danses, très bien. Comment on danse? Select, O avec la croix directionnelle, et X. Select, O,
Et t'as plusieurs menus. C'est moi qui ai le plus de swag. X, d'accord. 1-1. Bon, maintenant si on peut aller sauver la ville. Ah voilà. Voilà. Maintenant qu'on a fini de danser. Oh putain, trouvez ce que l'ennemi cherche à détruire. Bah écoutez, on va utiliser cette espèce de gros poteau rouge pour monter en haut. Est-ce que ça s'appelle une pizzeria? Putain. Est-ce que c'est relou? Voilà. Oui. Est-ce que c'est relou? Oh, c'est accurate. J'essaye de vous rendre l'effet que j'avais moi quand je regardais des animés. Moi je veux que celui qui me fasse l'amour, c'est celui qui fasse le doublage de Shredder quoi. Il est tellement là. Ah oui, mais oui. Il est tellement là. Oh, ces tortues me rendront fou. Et c'est Philippe Pogouze, c'est le doubleur de Kenshiro. Mais oui, il est mort, non? C'est ça qui est fou. Non, il est toujours vivant. Il est pas mort, il est pas. Ah d'accord, désolé. Mais c'est un régal cette voix. Moi je suis toujours en bas. Et lorsque les tortues se ramèneront enfin au technodrome, j'aurai de quoi les accueillir avec des grenades à gaz. Il sort des phrases comme ça. C'est à peu près ça. C'était tellement ça. Splinter, c'était plutôt mes enfants. Sachez qu'il a. C'est mes enfants. Vous ne devez pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, sachez toujours retrouver le chemin de l'eau dans la rivière. Jean-Michel conseil nul, ouais. Ah, c'est ça, c'est Jean-Michel conseil. Et c'est surtout Jean-Michel visage creepy. Je te jure, il fait des visages à April O'Neil de temps en temps. Il fait flipper. Ah bah de toute façon, avec sa tête... Ouais, il a une sale gueule. Ici, ils lui ont fait une tête de hamster relativement mignonne, oui, mais c'est en ça. Réalité... Attention, utilise une super attaque. Super attaque. Putain, moi je sais pas où je suis. Je suis parti à la pizza. Bien joué, Fanta. Oh, attends, il faut que j'aille là où il y a marqué pop. Alors, je sais pas si je t'ai aidé, tant mieux. Si, tu m'as aidé. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. J'étais en train de chercher depuis tout à l'heure, j'étais perdu. C'est bon. Mais Mickey, mais tu es où? Protégez la cargaison de la grue. Putain, mais y'a trop de ninjas. Qu'est-ce que vous faites? Balancez les super. Ah, moi j'ai tout bourré, moi déjà. Vous êtes dans la rue? Quelqu'un qui a popé. Non, on est sur la grue. Ouais, j'ai balancé la matrice. Ah putain, je cherchais depuis tout à l'heure, j'étais en train de partir, j'étais parti dans la rue. Il était parti chercher des pizzas. Ah, je me sens pas debout. Bien. Merci. Allez, pistol blaster. Merde, je me suis raté mon coup. T'as mis du temps. N'oubliez pas de bloquer, il faut quasiment tout le temps bloquer. Oh. Ah mais j'arrive pas à vous rejoindre. C'est pas grave. Le cholestérol qui te rattrape. Excellent. Il y a des pizzas dans les arts. Le truc qui est nouveau avec Michelangelo, c'est que maintenant il est chaud de la bite en fait. Il veut se taper tout le monde. Quoi tout le temps. Mais si, sortu enfin. Si, ouais, il est passé des pizzas aux meufs quoi. Il a... c'est chaud de la bite. Il a eu sa puberté. Hein? Bah ouais, c'est des teenagers. Ouais, il a pour le coup. Ah, attends, vous voyez qu'il faut aller sur ce bâtiment là-bas, donc il va falloir qu'on l'escalade. Donc essayez de passer par les espèces de tentures sur les bords qui te permettent de faire des super sauts, ça permet d'avancer plus vite aussi. Ah non, attendez, juste avant d'y aller, vite, allons au repère du Splinter. Bien sûr, il y a une bouche d'égout en haut du bâtiment, pas de problème. Ok, vu. Ah bah, pratique. Un ninja doit se préparer à toutes les situations. Mais... Moi j'aimerais trop qu'il surprenne Splinter, mais tu sais, il est toujours en peignoir, mais il est en train de prendre un bain ou en mode. C'est ça, ou avec des magazines de rap. C'est ça. Les bombes, les champs gravitationnels, je balance alors. Ouais, tu balances tout. Tu prends que des Red Bull. Que des potions, ouais, que des Dr Pepper, vas-y, que des Red Bull. Les rouges, c'est ça les rouges, ouais. T'en prends 4, tu fais pas. Et imagine, t'as pas d'argent, qu'est-ce qu'il te dit? Non, désolé. Désolé, Michelangelo. Non, c'est. Désolé, mon fils, mais tu devrais comprendre et apprendre que tout a un prix dans ce bas monde. Et que je n'ai aucune race. Trop cher. Au sens propre et au sens figuré. Je suis trop cher pour toi, Donatello. En plus, il met toujours l'accent quand il dit les noms. L'ennemi. C'est là-haut. Il est là-haut. Kawabunga! Alors, dans ce jeu, c'est en avant les tortues! Ils disent pas quoi, Bunga. J'ai pas eu les droits! Il y a caché! J'ai fait les droits, ouais. Les voilà! Des ninjas! Oh claquez les super sur eux! Ah la vache, moi je me suis fait un instant trip! S'il vous plaît! Oula, Psycho Crusher! Psycho Crusher! Merde, reviens! Et moi, mais pourquoi personne ne m'aide? Mais c'est parce que je sens la pizza! C'est bon. Il y a 4 fromages. Ouais. Ah, je suis mort! Au secours! Ah, mais c'est pas vrai, ils sont vachement forts! Au secours! Hop. Mais putain, je pars et il me tue quand même! Non, survie, Fred! Survie, continue à courir! Sauvez-moi! Continue à courir! Au secours! Ah, pizza! Franchement, je savoure pas! C'est bon, Thier, c'est bon, on est là, vas-y, balance! Non. Allez! Pourquoi moi? Voilà, bon, c'était raté, c'est pas grave. Oh, yeah.
Allez, balance une combo. Heureusement, j'ai sauvé la situation. C'est bon, bien joué. Très beau sauvetage. Très beau sauvetage, si on veut. Dans les krangs. Plutôt les krangs à coups de shuriken. Pourquoi il y a 50 krangs? Ça fait aucun sens, ça. Parce qu'en fait, il a des frères et sœurs. Après, krang, c'est des... comment c'est des... comment? Toute une race, en fait, de krang. Ah, c'est une race. Qui sont connectés, c'est une espèce de ruche, en fait, finalement. D'accord. Ah. Et on peut pas les défendre. Hein. plus on y pense, et plus le parallèle avec les gonzesses, c'est... Ah, mais c'est super, regarde, je rebondis dans la bouboule. Oui, parce qu'il t'a bloqué, en fait, c'est ce que font les rayons. Les rayons bubulisateurs qui te mettent dans une bulle spécifique et qui te rend complètement inoffensif. Ah putain. En tout cas, merci d'être venu. Hein. Ça fait plaisir. Oh bah de rien. Ah bah, putain, mais il nous tire dessus pour la tourelle. Ah, j'apprends. Oh, wow. Ah merde. J'ai... Non, c'était pour moi. Là. Fuck la police, c'est moi qui filme. Fuck le pour les... Nunchak. Ah, je suis ton... Là, je suis ton chef. Il allait dire des choses pour me vexer. Non. Pas rien. Putain, on est tous morts. Non, c'est bon. J'ai fait une attaque suicidaire sur l'hélicoptère. Ah, je suis mort aussi. On revient grâce au TP de portail. De portail. Merde. Au secours. Au secours. Oh là 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 là. Non, je suis mort. Et c'est qui sauve le plat? Ah putain. La difficulté, elle est mal dosée, franchement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, sauce l'hélicoptère. Je m'en occupe. Allez. Mais non, ah putain, j'arrive pas à trouver le bouton. Attends, y'a pas ça, ça. RB, c'est quoi? RB, voilà. Bon, on va trouver. Oula, oula, oula. Mais même les ennemis sont dans des bulles. Eh ben, dis donc. Allez. Puissance pizza. Ah merde. Je suis seul comme une pizza. C'est bon, attends. Ouais. Hourée. Voilà. Comme des anchois. Ah, bien voilà. Joué. Dans la bulle. Pas mal, les gars. Pas mal du tout. Est-ce que je peux vous tirer dessus? Bubule. Pas. Non, c'est pas. On aime les bubules. Ok, tout va bien. Ok. Ah oui, les espèces de cristaux rouges, il faut les casser, ça donne des objets. Mais là, on en a pas besoin, donc on a tous les 4 des potions, en fait. D'accord. Mais tout va bien. Sinon, j'arrive pas à les toucher. Ah non, c'est ça. Ça sert à rien, sinon. Alors, normalement, il devrait y avoir un dernier objectif, puis Karai. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Trouver l'ennemi. Un énorme essaim de méchant. Moi, je détecte des énormes seins, allons-y. C'est où? C'est en bas. C'est juste là. Okay. Dès qu'on arrive, on balance les ultras, ok? Mais enfin, attendez un peu que la cinématique se fasse dès qu'on arrive sur place. Regarde, tac. Je le savais, combattez tous les ennemis. Le truc qui est pas mal à la décharge du jeu, c'est que les objectifs sont aléatoires. Bah, après, c'est les mêmes, mais. Oui, bien sûr, mais c'est censé être un jeu. Mouvement coop! Oh! Et voilà! Et t'as vu, ça permet de faire des attaques d'opportunité en fait sur les ennemis qui dansent. Tu peux les tuer instant en fait. Ah, d'accord, ça fait danser les ennemis, donc c'est Moonwalker. Ouais, ça les détourne. C'est le parapas dansant. C'est ça. Bah, oui, c'est Michelangelo, c'est l'esprit de la fête. C'est ça, c'est ça. C'est beau, c'est beau. It's a party, dude. Ah oui, bah oui, c'est exactement ça en plus. Voilà, très bien, excusez-moi. Alors attends. Oh putain, il y a un putain de... Mais ils sont où? De trampoline. Ah, c'est là-bas. Ah, là-bas. Ils sont là-bas, ouais, ils sont loin. Il faut prendre les trampolines Fanta. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait. Fanta Vision Forever. Showing. Oula, c'est un peu court. Hein. Putain, j'ai un sniper qui me vise. Salaud. Fan de tortue. Allez, on danse. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Si quelqu'un peut m'expliquer, parce que là, j'ai fait un truc qui s'appelle fan de tortue. En fait, ça recharge tous nos cooldowns à nous tous en fait. Ah, c'est d'accord. Bien ça, refais-le. Il peut pas claquer la fille. Non, mais on le saura, il faudra l'utiliser correctement. Ouais, bah quand sur le boss. Hein. Ah ouais, c'est pété si tu maîtrises ça. Ouais, grave. Mais il faudra que tu le claques en dernier sur le boss après qu'on ait bu les poissons. Enfin, après qu'on ait tous claqué nos super attaques. Ouais, je suis si haut moi. Ok. On puisse rebourrer les super attaques. Faut choper la tourelle. Alors. Ah, et la tourelle. Non, c'est un ninja à côté de la tourelle en fait. Dessus, faites gaffe. Ouah! Oh, oui, du monde là. Attention, Matrix. Bam! Saut! Vous avez vu le temps ralentir aussi ou pas? Ou c'est un effet que pour moi? Non, c'est pour tout le monde, je te rassure. Okay. Très bien. À moi le flingue! Alors, les petits. Bah, il en reste un! Putain, y'en a plein d'autres! Les ultis, claquez les ultis! Oh là 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 là! N'oubliez pas de parer! Ouré, ouais. C'est pas mal entendu, ça peut marcher! Sur
sur un malentendu, ça peut marcher les paravoles. Illisible, ouais. Grave. Illisible, je suis d'accord. Combo. J'arrive pas, non. Azette. Oh, mais en plus. Attention, ah, on les bombas, c'est les bombas. Ah, ça. Ah, tu peux pas te laisser. A 4 sur un mec de 4. C'est merveilleux. C'était les gars qui... Il se défend, eh. Les gars qui explosaient en un coup, normalement, dans le dessin animé. Merci. Oh putain, mais c'est pas vrai. Ulti. Et ça repop. Ouais. Je fais tomber en Breath of the Wild. Ah, je saute en slow-mo et shuriken. Ah, et c'est eux qui nous prennent en... Ah bah bah, ah bah bah, ah bah bah. Mais dis donc, tu parles mieux, toi. Ça parle très très mal. Comment ça se fait? Alors attends. On va prendre les isolés parce que ça le fait pas quand c'est eux qui nous prennent plusieurs. Allez. La vache. Ah merde. Ah, ton bilol. Aïe. Et comment ça se fait qu'ils sont durs? Ouais, j'ai réussi à faire. Parce que leur maître, c'est une ninjette. Enfin, ah, je suis mort, au secours. Moi aussi. Survie, fuis Fred. Mais non, je peux les battre, regarde. Je suis pas, j'arrive. Non, c'est tranquille, Fred qui... C'est toujours Fred qui fait tenir l'équipe, quoi. Ouais, je suis le dernier en vie, c'est mon rôle. Quel poisson. Allez, on y va. Deux retours. Et prévenez quand vous faites des super attaques, les enfants, de manière à ce qu'on puisse se coordonner. Ouais. C'est bon, moi je reviens. Les bombes. Hop là. Cool. Allez, maintenant il reste le boss, c'est bon. Ouais, enfin, je pense. Après ça, on va le manger comme une... Alors comme le boss, attention, je sais pas. je préviens d'avance, elle a des phases en fait où quand tu lui fais assez de dégâts, elle disparaît, elle fait apparaître des goons. Donc il va falloir les faire disparaître très vite aussi si on veut pouvoir qu'elle revienne et lui faire assez de dégâts. Des goons? Enfin, des larbins. Ah, d'accord. J'étais là et je vous regardais tuer mes hommes. Bah écoute, s'ils sont morts à cause de tortues mutantes, c'est qu'ils étaient nazes en premier lieu. Typical vilain, ouais. Typical vilain behavior. Et vous allez où là? On monte tout en haut de la tour de construction en utilisant. Ah, la plus haute tour du sommet, d'accord. Ah, c'est parti, attention. Et elle vole? Surtout que j'imagine comment elle est arrivée ici, t'as dû se faire chier à monter jusque là. C'est ça. Oh là! Alors là, c'est les répliques. Hein. Une femme ninja, elle n'a vraiment pas l'air très. Elle a vraiment l'air coriace. Préparez-vous! Elle est blanche de peau, on dirait qu'elle a la chiasse. Hein. Franchement, elle est pas bien. Tu veux pas? Elle est vénère! Elle est tellement vénère! C'est pas la nièce à Shredder. C'est pas la nièce à Shredder. Je sais plus si c'est sa fille ou sa nièce, mais elle a un lien de parenté, ouais, effectivement. Bon, elle a l'esprit de famille, en tout cas. Saucez-les, buvez la potion, tout le monde boit la potion. The Link! Link est là, visez-là. Elle est là. Boum! Je les rate tous. Ultra! Attends, ah merde, elle s'est enfuie. Attention, les larbins. Videz les larbins vite. Attends. Je vais envoyer Shuriken, ça va faire tomber une ruée. Quand vous voulez, je suis ma fat girl. Aux explosifs. Attends, pas encore. C'est bon, elle est revenue. Visez là, essoncez là. Je suis plus mauvais, je suis mal, j'ai mal. On peut loquer sur le stick gauche. Oui, hein. N'oubliez pas. Y'a Bobo. Combo d'attaque, j'ai bourré. Ah putain, j'en ai plus. Attends, je reviens et je fais la fat girl. Allez, vite, c'est là. Ah merde. Non, je suis un barque. Ah merde. Je suis stun. Faut pas manger aussi vite, sinon tu te baises. Ouais. Me dites quand je fais le truc. Mais je la vois plus. Ah là, elle est arrivée. Oh là. Ah c'est bon. Il faut la saucer assez vite. Je vais balancer. Attends, l'appel des larbins. Fan de tordue. C'est bon. Ça passe. Je sais pas si on aura la chance d'avoir le deuxième boss, comme on est paré. Oula. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a saucé sa vie. Ah. On a fait un coup de carapace comme dans Street Fighter 5. J'ai peur qu'on voit Matrix.
Ah, quel dommage, j'ai peur qu'on ne voie pas sa face. Parce que... elle est... On est au ralenti sur elle. C'est ça, ouais, c'est ça. Putain, elle prenait aucun dégât, quoi. Elle était au bah pizza pour tout le monde, ouais. Je pense qu'on a malheureusement été trop lent. C'est pas grave. On va la saucer. Ta femme ne t'aime jamais. Régulard. Elle est passée berserk, elle est vénère. Ah bah la vache, putain. Ah putain, mais elle court hein. La vilaine. Ah ouais. Et donc elle, c'est quoi ça? J'ai mon combo d'attaque. J'en sais rien. J'ai mon combo d'attaque, si jamais vous voulez. Allez, un. Merci. J'ai un combo aussi. Allez, bon. Placer l'esquive. C'est parti. Oh, bien joué. Ah, je suis mort, on est tous morts. Oh là là, on est tous morts. Oh merde. C'est pas bon. Oh, ce sausage. Aïe, c'est qui nous roule là? J'ai essayé de rater quelqu'un, ah putain, on est tous morts. On est tous morts, est-ce qu'on peut revenir? Ça va faire. Est-ce qu'on y croit? Je suis la dernière tortue. On a perdu. Ah, fais chier. On y croit. Allez, c'est bon, je suis reparti. Survie. Il y a une tortue qui est revenue. On tient. Allez. Pyrénées, ça pique pas autant, faut pas déconner. Parade. Allez, on bourre les ultras là! Où est-elle? Attaque tournoyante! Personne verra, j'ai passé tout niveau à bouffer. Mais c'est elle bon qui est là! Ouais! Oula! Oh, c'est stylé! À 4 contre 1, ouais! Tabassé là, regarde, ça boum boum boum! Tu sais, tu la vois au sol se faire tabasser. C'est dommage. Bravo, vous êtes des lâches. On lui a pas fait de dégâts assez rapidement pour déclencher sa seconde phase, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tabasser au sol. T-bag. Vas-y. Sors ta bite rétractile de tortue. Déchirer ses vêtements. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour le prochain épisode? Eh oui, bien sûr. Un rang S, quoi. Franchement, ça veut rien dire. On a joué comme des sacs. Mais non, on n'est pas mort. Enfin, si, on est mort, mais c'est fait exprès, tu vois. C'est bien foutu. C'est sympathique. Et ben voilà, chers amis, dans tous les cas, c'était un niveau avec Karai. Ça faisait plaisir. Oh, on est bien. Les prochains ennemis vont être absolument épiques aussi. Je vous remercie. Les tortues, toutes les petites des tortues. Un petit Kowabunga. Est-ce que je pourrais un Kowabunga? Allez, ça marche. Tu donnes le top. C'est toi. C'est qui joue Leonardo? Normalement, c'est Leonardo. 3, 2, 1. Kowabunga! Non, mais si, c'était bien. C'était synchro. On y croit. Je le refais. Mais non, on va pas le refaire. Moi, j'ai je l'ai à l'enregistrement. Je te dis qu'il est synchro. Fais-moi pas chier. Okay. Moi, j'ai une super cinématique depuis tout à l'heure. Et bah écoutez, on vous laisse la cinématique. On va parler par-dessus comme des sacs. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci mon Fred, merci mon Seb, merci mon Fanfan. Merci à vous. Salut. Merci, bisous. Attends. Cinématique. Laisse tomber, Karai. Tu n'as nulle part où aller. Tu vas nous filer ton portable, tes chaussons. Oui, suicide-toi pour qu'on puisse aller manger des pizzas. Oh, foutu, Karai. Oh, c'est stylé. Oh, c'est de la triche. Plutôt que de disparaître, elle a un jetpack. Elle a un réacteur comme une pizza. J'ai un problème. Si on veut avoir une chance de sauver il faut qu'on obtienne des réponses et vite. Attends. Des réacteurs morceaux. Mikey l'a fermé. C'était une idée. Ah ça y est, il y en a un qui m'a dit de la fermer quand même. Il y a aucun respect, chers amis. Allez, bisous. Bravo, les gars. Salut.